L'audience est ouverte, nous pouvons nous asseoir. Les faits. Le 27 mai, madame s'est présentée au commissariat de police pour déposer plainte à l'encontre de son mari pour violences psychologiques et économiques, insultes répétées, paroles humiliantes. Elle a également dénoncé des faits de menaces avec armes, de chantage et de viol. Le 20 août, madame a de nouveau contacté les militaires de la gendarmerie à propos cette fois de son fils âgé de 7 ans qui venait de lui révéler qu'il avait été violé par son père. L'enfant avait mimé devant elle une scène de sodomie. Fait qualifié de crime de viol sur mineur de 15 ans par ascendant qualifié d'incestueux, la peine maximale prévue par la loi pour ce crime est celle de 20 ans de réclusion criminelle. Depuis leur création en 2019, les cours criminelles ont jugé 92% d'affaires de viol. Plus de la moitié ont été commis sur des mineurs. Est-ce que vous pouvez déjà aujourd'hui nous redire, hein, c'est la procédure orale qui le veut, nous redire de quoi vous accusez, monsieur ? J'accuse monsieur. J'accuse monsieur d'avoir violé mon fils. Au moins deux reprises. Alors, pouvez-vous nous redire dans quelles circonstances vous avez appris ce qui s'est passé, ce qui se serait passé ? Un soir, en récupérant mon fils, il me dit j'ai pas été lavé chez papa, donc ce serait mieux de prendre un bain chez mamie parce que ça lave mieux. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il me dise ça. Il me dit maman, j'ai les fesses rouges. Je dis bon, papa, il t'a mis une fessée ou... Mais j'ai pas du tout pensé à ça. Et là, il me dit non, papa, il a mis sa quéquette dans les fesses. Et il me dit attends, maman, je te montre avec le dinosaure. Il dit ça, c'est le papa, le grand papa, c'est le papa, le grand dinosaure. Et le petit dinosaure, c'est moi et papa. Il a bien mimé. Il a fait quel geste ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Donc, le papa dinosaure, la queue en arrière, comme ça. Et le petit, comme ça. Avec des gestes comme ça, oui. Ça bougeait, il faisait bouger le gros. Oui. Et comment il était quand il expliquait ça ? Donc je rappelle, il avait... C'était pas quelque chose de mal pour lui. Il allait avoir 7 ans. Il avait pas l'air de souffrir. Non, parce qu'il m'a dit, t'inquiète pas maman, c'est que la première fois que ça fait mal. Je reprends la chronologie, elle est importante. Il vous montre alors ce qui serait passé en mimant la scène avec deux petits dinosaures qui jouaient flottant dans le bain, c'est ça ? Oui. Là, qu'est-ce que vous faites, madame ? J'y crois pas. Vous n'y croyez pas, oui ? J'appelle ma mère qui est dans la pièce à côté pour vous. D'accord. Pour qu'elle prenne le relais, que peut-être tu lui parles. Et lui a répété la même chose. D'accord. Je vous remercie de ces premières précisions. Maître Gignet. Aujourd'hui, devant cette cour, vous expliquez que vous avez voulu le provoquer parce que, je vous cite, « personne ne nous croit ». Et je voudrais que vous nous disiez, c'est qui « personne ne nous croit » ? Je vais vous le dire. Oui. Quand on va à la gendarmerie, on passe pour la femme célibataire qui veut absolument son enfant, quitte que coûte. Les questions sont de telle manière que on nous fait comprendre à chaque fois que c'est pas vrai, que c'est nous qui avons inventé. Et du coup... Donc ce sont les professionnels qui vous ne croient pas. Oui, les professionnels, mais je ne suis pas la seule partie civile à devoir ressentir ça, je pense. Que finalement, on est accusé d'inventer les choses pour nuire à la défense. Et en même temps, c'est ce que vous allez essayer de faire aujourd'hui, ce qui est votre métier, c'est normal. Ça sera demain pour moi, plutôt. J'ai pas d'autres questions. La cour criminelle, comme la cour d'assises, reste un théâtre. Tout est identique à l'exception de la présence des jurés. La cour, composée ici de 5 juges, l'avocat général qui représente les intérêts de la société, la partie civile qui a porté plainte, et la défense, donc l'accusé.
On a beaucoup parlé peut-être de la perte du cérémonial, des rituels, des côtés un peu sacrés. Enfin, la cour d'assises, elle emprunte beaucoup au vocabulaire religieux. Hein, et je finis par me demander si c'est là l'important. Est-ce que l'important, c'est de faire peur, c'est d'impressionner, ou est-ce que l'important, c'est qu'on prenne le temps qu'il faut pour permettre à chacun de parler. Nous allons donc, monsieur, procéder à votre interrogatoire de personnalité. La loi prévoit que pour juger dignement et de façon éclairée un accusé, la cour doit connaître son histoire. Vous avez la parole, monsieur. Bon, j'ai pas eu une jeunesse, ce qu'on peut dire, heureuse. C'était mon carrosse. Dès qu'il y avait quelque chose dans la famille, c'est moi qui le prenais. Au niveau de mon caractère, je suis quelqu'un qui était impulsif. C'est vrai que j'avais tendance à m'énerver pour pas grand-chose. Quand elle a porté plainte contre moi, j'ai pas compris. Qu'elle veuille partir, oui, parce que j'aurais été à sa place. Je suis parti depuis très longtemps. Et puis après, pour les faits qui se sont reprochés, non, j'ai jamais fait de mal. Bah, ou mes enfants, aucun des deux. Mes enfants, c'est ma raison de vivre. On ne parle pas des accusations qu'ils portent contre moi, mais c'est mon fils et je l'aime. L'étude à l'audience criminelle de la personnalité de l'accusé prend quelquefois du temps. Moi, j'explique qu'on est là pour juger des actes commis par un homme, un individu ou une femme. Ça va peut-être être long pour les parties civiles, ce temps qu'on va passer. Parce que la partie civile, elle a l'impression que, il me semble, que tout ce qui va être dit sur la personnalité de l'auteur va avoir tendance à emmener la clémence. Mais ce n'est pas forcément facile non plus pour un auteur de voir toute sa vie disséquée de sa naissance au moment du procès, en passant par il était maltraité par ses parents, que ses parents étaient alcooliques, que les parents n'avaient pas d'argent. Tout ça, ça fait partie de l'étude de la personnalité. Ce qui vous est reproché là aujourd'hui, c'est des faits d'inceste, c'est, on parle encore et toujours de sexe. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelle part vous avez accordée dans le passé à cet aspect de la vie, c'est-à-dire l'activité sexuelle ? Pour moi, l'activité sexuelle fait partie de la vie, quoi. C'est quelque chose naturel, quoi. J'ai du plaisir qu'on prend. D'accord. Ma question était peut-être insuffisamment précise. Est-ce que vous pensez que vous avez accordé ou que vous accordez à cet aspect de la vie humaine une importance peut-être plus grande que d'autres personnes ? Est-ce que vous avez plus de demandes, d'idées ? Non. Non. Non, pour moi, c'est... Pour certaines personnes qui ont pu être entendues dans ce dossier, la réponse à cette question, c'est oui, monsieur est vraiment très, très là-dedans. C'est un obsédé sexuel, il pense qu'à ça. Bah non. En cour criminelle, les débats sont menés par un président de cour d'assises. Les mêmes règles y sont appliquées, à commencer par la première, essentielle, l'oralité des débats. On parle, on se contredit. Le président fait fonctionner ce qu'on appelle le contradictoire, c'est-à-dire vous dites, maître, vous produisez telle preuve ou telle allégation. En face, qu'est-ce qu'on en dit ? On met tout dans le débat et donc les choses se disent. Alors, les parties civiles, les questions, monsieur ? Vous aviez dit, oui, cela est arrivé, que je regarde des films porno gays et normaux dans le salon et qu'il jouait sur la console dans sa chambre. Il ne dormait pas, là, il était dans sa chambre et qu'il a pu me regarder voir ça. Donc voilà vos déclarations. Aujourd'hui, vous nous dites que vous êtes plutôt adepte de films romantiques pour vous endormir. Qu'en est-il, monsieur ? Le film romantique, ça a pu m'arriver d'en regarder. Non, le porno gay, monsieur. Porno gay, oui. Ça m'est arrivé d'en regarder des pornos gays. Donc, mais à ce que jamais dites... j'ai regardé un porno gay quand il y avait mon fils. D'accord. Une autre question, maître ? Mais pas de question. Maître le maréchal ? Non, j'ai pas de question, maître. Monsieur l'avocat général ? Vous vous placez, c'est l'expert qui parle, vous vous placez aisément en victime. Oui. Oui ? Oui, parce que je n'ai rien fait. D'accord. Donc vous estimez être victime de qui et de quoi ? Bah, victime, déjà, aujourd'hui, d'être ici. Oui. Et puis d'être victime, c'est que, comme j'ai toujours dit dans l'histoire, qu'on me fasse du mal à moi, j'arrive à un âge où que je m'en fiche, j'ai vécu. Par contre, qu'on me prive de mes enfants, parce que ça a eu une importance. Vous ne pensez pas
monsieur, que les victimes, elles sont là? Pour ce que j'ai fait un homme, oui. Le cul, je l'ai insulté, je l'ai rabaissé, votre oui, fils. Je ne lui ai rien fait. Enfin, c'est ce que constate l'expert, hein, que vous vous présentez toujours comme victime, alors que vous êtes poursuivi aujourd'hui comme auteur, monsieur. Un procès d'assises peut durer de 2 jours à plusieurs semaines. Les cours criminelles permettent de gagner en moyenne 1 journée d'audience, notamment parce que seuls les témoins et experts jugés essentiels sont entendus. Donc vous êtes la compagne actuelle de l'accusé. Madame, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la personnalité de votre compagnon? Que c'est une personne qui est calme, qui est doux, qui est très attentionnée, qui n'est pas agressif, qui n'est pas impulsif non plus. Donc c'est une personne, peut-être qu'il était comme ça avant, mais moi je sais que depuis qu'on est, ensemble, on vit ensemble, il n'y a pas de... il n'y a rien de tout ça. Vous avez dit qu'effectivement vous en parliez parce que ça travaille, hein, c'est votre expression. Est-ce que vous pourriez être un petit peu plus précise? Bah, ça le touche énormément parce que c'est une histoire qui est vraiment bizarre parce qu'on l'accuse d'une chose qu'il n'a pas fait. Est-ce qu'il vous a fait part de sa souffrance d'être séparé de son fils depuis toutes ces années? Il parle pas beaucoup, mais je vois bien qu'en lui, ça lui fait très mal parce que ben il peut pas le voir, il peut pas. Ça, c'est très dur. C'est-à-dire qu'on va mieux juger en jugeant plus vite parce qu'on entendra moins de monde. Ça m'apparaît être une aberration parce que de mon expérience de cour d'assises, il se passe des choses à l'audience. Un témoin qui était chez les gendarmes, persuadé d'avoir vu quelque chose, le sera beaucoup moins à la barre. Et vice-versa, hein, y a des gens qui sont beaucoup plus sûrs des années après, ça peut être surprenant. Et ça ne se passe que parce qu'il y a l'oralité. Bonjour madame, donc vous êtes devant la cour criminelle à Caen. Vous avez été donc sa compagne, vous avez avec lui un fils. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la sexualité de monsieur Bah, on le faisait de temps en temps. Quand des fois, comme je voulais pas, des fois, il me demandait un petit peu qu'on le faisait, mais quand je disais non, c'était non. Il arrêtait. Il ne forçait pas. Vous avez dit, était-il doux ou violent? C'était la question. Ça dépendait des fois. Lorsque je ne voulais pas, il me forçait un peu. Il me forçait à le faire. Il me tenait les deux bras jusqu'à temps que je dise oui. Et j'ai accepté, car sinon, il aurait tout le temps insisté, il m'aurait empêché de dormir. Et vous avez terminé en disant que vous ne considériez pas que c'était un viol, mais enfin, la question se discuterait. Vous confirmez ces épisodes? Ouais. D'accord. La seule chose qu'on nous avait dite lors de la présentation de cette réforme, c'était « Oh, ça va, la procédure est écrite, grosse différence avec la cour d'assises, les magistrats connaissent le dossier, donc il n'est pas nécessaire de citer tous les témoins et experts, on est entre professionnels, on aura lu le dossier. » Et je me souviens que mon associé et moi-même, nous étions insurgés en disant « Mais ça ne se passera pas comme ça, on refusera. On va faire citer tous les témoins et experts que l'on souhaite citer comme aux assises. » Et jusqu'à présent, sur les affaires de cour criminelle de Caen auxquelles j'ai pu participer, eh bien, nous avons passé, je pense, le même temps, quasiment, que si l'affaire avait été audiencée devant une cour d'assises. Les experts étaient là, les témoins étaient là. Pour certaines affaires, on a pu réduire le temps d'audience. Ça peut être critiqué, hein, on a peur de la justice expéditive, on n'a pas envie effectivement que les choses soient faites à la va-vite. J'ai en ce qui me concerne le sentiment que lorsque l'on a jugé des affaires, par exemple sur une journée, c'est-à-dire en commençant à 9h et en terminant au plus tard à 22h, ce qui pour des magistrats professionnels est tout à fait tenable. Et donc on a pu le faire parce qu'on a fait le choix qu'on ne fait pas en cour d'assises, de renoncer à certains témoins dont la parole est jamais inintéressante, bien sûr. Mais la question, c'est qu'est-ce qui est essentiellement utile. Utile et pour la victime, la personne qui se plaint de quelque chose, et pour l'accusé. Tout comme certains témoins jugés indispensables, les expertises continuent d'occuper une place centrale en cour criminelle. Elles viennent éclairer l'existence ou non de preuves matérielles, tout autant que la personnalité de la partie civile et de l'accusé. Pour résumer ou synthétiser un petit peu les choses, on met en évidence quand même des troubles graves de la personnalité. On a quand même la violence, peu de culpabilité, il est peu dans l'émotion. Donc il n'est pas intimidable, je reprends séducteur.
En fait, c'est quelqu'un qui dégage quand même, je dirais, un potentiel d'emprise. Et je recommande, compte tenu de la nature des faits qui lui sont reprochés, s'il est condamné, bien entendu, à une injonction de soins dans le cadre du suivi socio-judiciaire. Est-ce qu'il y a des questions de la Cour à poser? Allez-y, monsieur. Docteur, l'entretien date d'un peu plus de 3 ans, je suis confiant. A-t-il évoqué des violences sexuelles à l'égard de son épouse à l'occasion de l'entretien que... Absolument pas. Non. Il y a un déni sur tout ce qui est sexuel. Tant pour l'épouse que pour l'enfant. Absolument. D'accord. À bientôt. Au revoir, docteur. Vous voulez bien venir à la barre, monsieur? On connaît votre position. Hein. J'ai oublié de vous la demander officiellement tout à l'heure, comme la loi l'exige, mais vous plaidez, comme on dit, non coupable. Hein. Juste une chose comme ça qui me vient à l'esprit, c'est que madame, elle avait dit qu'elle était, que vous aviez essayé les actes de sodomie, qu'elle n'était pas favorable et que ça ne s'était pas reproduit. Bon, là, on voit qu'on a affaire à une... dans le récit, en tout cas, qui est fait, a eu un acte de sodomie. Est-ce que vous étiez frustré de ce genre d'acte? Non, je ne peux pas faire de sodomie. J'ai une érection qui ne permet pas de faire de sodomie. Vous avez une érection qui ne permet pas. Bon, vous avez des problèmes d'érection complets ou vous n'arrivez pas à avoir une érection totale? Je n'ai pas une érection totale. C'est-à-dire que j'arrive à avoir une érection, mais elle n'est pas totale. Si vous voulez bien vous lever, madame, mais en restant à votre place, monsieur dit, de toute façon, je ne peux pas, techniquement, qu'est-ce que vous pouvez... Je suis désolée de rentrer dans ces... Mais on savait bien que ça se passerait comme ça. Est-ce que vous vous souvenez si votre mari pouvait quand même avoir une érection semi... Non, dure. Dure? Dure. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle dit, alors? Quand vous faisiez venir ces hommes-là, c'était pour qu'ils viennent avoir des relations sexuelles avec votre femme sous vos yeux? Oui. Bon, c'était pour faire quoi, ça, monsieur? Bah déjà, pour essayer de... En faisant ça, peut-être que ça allait pouvoir m'exciter et pour avoir un rapport. Pour avoir cette idée-là, il faut encore avoir de la libido, il faut encore avoir un minimum. Si c'est complètement mort et que ça ne marche pas, on n'a même pas ce genre d'idée-là. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Bon. Je peux éjaculer, je peux avoir une érection. Mais ce n'est pas une érection comme j'avais avant, qui est bien dure. D'accord, monsieur, mais quand il s'agit de rentrer dans, d'un adulte et d'un enfant de 7 ans, de toute façon, l'adulte, il n'y va pas non plus comme avec un copain homosexuel. Hein. Ce dont vous êtes accusé, sur un plan purement matériel, ça pourrait très bien avoir lieu, même avec une érection insatisfaisante pour vous. Ah, d'accord, je peux être d'accord avec vous, mais moi, je n'ai pas sodomisé mon fils. De tous les crimes, le viol est sans doute celui qui pose le plus de difficultés en matière de preuves. Sans aveu, les dossiers sont faits d'éléments matériels qui peuvent dire tout et son contraire. Alors, le problème des affaires de viol, c'est l'absence de témoins. Hein. Dans la plupart des cas, c'est tout à fait exceptionnel que quelqu'un ait vu ces scènes de crime. Hein. Donc, on va se trouver devant, souvent, deux versions. Les accusations portées par la victime et puis les dénégations. Alors, il va falloir essayer de trouver des éléments de preuve autres. Hein, d'essayer de trouver au plan médical, voir si on a des traces qui ont été laissées, au plan de psychologie de la victime, est-ce que ses propos sont crédibles. Donc, toute une série d'éléments complémentaires qui vont permettre d'étoffer l'accusation. Bonjour docteur, vous avez procédé à l'examen de cet enfant. Tout à fait. Donc je vous laisse faire votre rapport. Les organes génitaux étaient sans particularité, on voyait l'examen anal, donc une fissure ancienne. C'est vrai que c'est compliqué de faire des examens proctologiques parce que les fissures anales sont très banales chez l'enfant. Toutefois, la maman nous évoquait pas de constipation. En tout cas, cette fissure est d'origine traumatique, a priori sans rapport avec une constipation, puisqu'elle ne nous était pas rapportée et on ne pouvait pas établir, mais c'est possible que ce soit en rapport avec des pénétrations péniennes anales. Donc vous redites que pour vous, cet examen ne permet pas de confirmer ou d'infirmer les faits allégués. Pas d'autres questions? On peut laisser repartir l'expert. Merci beaucoup, madame l'expert. À bientôt. Quand les éléments matériels ne sont pas probants,
Il reste la parole de l'enfant et la valeur qu'on lui accorde. Pour la qualité des investigations dans ce type d'affaires, quand il y a des mineurs qui sont victimes, je crois qu'on est attentif. On ne prend pas ce qui est dit comme vérité absolue. Hein. On essaie, à partir de ces accusations, on essaie de monter un dossier avec des éléments. Voilà, c'est ça qui est important. La justice, c'est ça aussi. Hein. Ce n'est pas des a priori. C'est un travail de construction, de réunir des présomptions, de faire qu'elles vont être plus fortes que les doutes, et donc de faire qu'on peut aller jusqu'à une déclaration de culpabilité. Bonjour docteur, donc vous êtes en direct à la cour criminelle donc, de Caen. Donc, vous avez pratiqué un examen pédopsychiatrique de l'enfant. Vous aviez pour mission de relever les aspects de sa personnalité, de décrire le retentissement éventuel et les modifications de la vie psychique depuis les faits, dire s'il pouvait être évocateur d'abus sexuels. C'est vrai que j'étais assez perplexe après avoir vu cet enfant, ce que je dis de manière très nette. Quand on dit il y a des éléments en défaveur, ça veut dire que, du coup, comment on en arrive là pour un enfant de 7 ans, comment on en arrive à ce genre de choses? La représentation pour un enfant, elle peut être effectivement induite par ce qu'il a vu et entendu. Quand un enfant voit, il n'y a pas d'émotion quand il en parle. Quand un enfant subit, il y a de l'émotion quand il en parle. Donc vous, on sent, c'est ce manque d'émotion là qui vous a particulièrement frappé. Oui. Oui, d'accord. Vous penchez plutôt en faveur quand même de quelque chose qui ne colle pas par rapport, on va dire, au schéma habituel que vous connaissez. Des enfants victimes de ce genre de choses, il y a quelque chose qui ne colle pas, vous n'allez pas vous avancer à nous dire, à mon sens, il a plutôt, c'est lui qui invente tout, ou alors il a été poussé par quelqu'un à... Non, j'avoue que je ne sais pas. Madame l'expert, la Cour vous remercie grandement pour votre intervention et vous libère de votre mission. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, avant de faire une pause, je propose qu'on écoute juste quelques minutes de l'audition de l'enfant à la gendarmerie. Tu es prêt? Pas encore. J'arrive pas à sortir les mots. Sinon, tu peux me montrer comment ça s'est passé. Tu peux prendre ce que tu veux. Au sein de ta discrétion, tu veux des petits doudous? Tiens, vas-y. Alors, vas-y, explique-moi. Là, c'est moi et là, c'est papa. D'accord, donc le violet c'est toi, ça c'est papa. Vous êtes où là? Chez nous. Chez vous, donc chez ton papa? C'est ça? Et dans quelle pièce? Dans la chambre. Dans la chambre. Donc là, toi, tu es où exactement dans la chambre? Sur le lit. Et papa, il est où lui? Il est pas sur le lit? Il est sur le lit. Et il est... toi, tu es tout nu ou pas? Tout nu? Même pas un t-shirt? Rien du tout. Donc tout nu, et papa il est comment lui? Pareil. Ça sera plus très long après, t'inquiète pas. Ça va aller? Non, ça va pas? Tu veux faire une pause? Comment? Ça va pas du tout. Moi, ce que je relève, c'est que on voit que ce petit enfant est gêné, qu'il y a une relative émotion, quand même. Enfin, voilà, c'est au niveau temporel, hein, c'est 3 semaines avant l'audition par le docteur Goupil qu'on vient d'entendre. Voilà. Alors, c'est le 8 septembre. Voilà, et que hein, l'expertise, c'était le 28. Donc, 3 semaines avant, ce petit garçon, il a l'air quand même pas super bien. Voilà, et qu'il y a des émotions et qu'il dit « ça va pas du tout hein, ». On l'a vu le passage. On va peut-être, pour cette audition, en rester là. Un procès est un véritable ascenseur émotionnel. Selon la personne qui passe à la barre, la conviction peut basculer d'un côté à l'autre, surtout face à des expertises contradictoires. Il y avait effectivement une question sur laquelle j'étais revenue avec le docteur Goupil, c'était cette absence d'affect. Elle expliquait que, et ce quel que soit l'âge de l'enfant, elle expliquait que l'enfant qui a réellement vécu quelque chose exprime une souffrance. Alors, Madame la Présidente, sur ce que j'ai vu, de la position devant le gendarme, on ne peut pas dire qu'il n'exprime pas l'affect. Hein? Quand même, quand on est clinicien et qu'on regarde ça,
on voit bien qu'il y a quelque chose qui se joue ici. Hein, il a du mal. Hein, il est dans la retenue. Il contient. C'est un mécanisme de défense comme un autre. Hein, pour mettre à distance les affects, les émotions, les choses comme ça. Moi, je ne peux pas dire qu'il n'est pas d'affect. Donc pour vous, ce genre de comportement pour un enfant de cet âge, dans ce genre de contexte, c'est plutôt indicatif de moyens de défense. Ça va plutôt dans le sens de la crédibilité du discours. Le doute, les impressions d'audience mitigées donnent au procès une forte charge émotionnelle. Mais l'impact est moindre sur les 5 juges qui composent la cour criminelle que sur des jurés citoyens de cour d'assises. Les avocats pénalistes sont très attachés à la cour d'assises. Pourquoi ? Ils sont très attachés parce que devant une cour d'assises, on peut faire éventuellement basculer les choses. Par des fois l'émotion, par des fois des pratiques, peut-être des fois un peu contestables, de pression sur les témoins, d'autres, on peut semer le doute, créer le doute, et donc amener les jurés à être hésitants. Et quand ils sont hésitants, bon, c'est vrai que c'est un principe, hein, un principe, le doute est favorable à l'accusé, mais c'est beaucoup plus facile quand même, c'est beaucoup plus facile de les bousculer que des professionnels. Vous êtes donc devant la cour criminelle, vous savez pourquoi ? Oui. Oui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et demain ? C'est pour le témoignage de mon père pour agression sexuelle sur mon petit frère. C'est ça, le jugement de votre père. Alors, c'est pas agression sexuelle qu'on lui reproche, c'est viol. Donc, en fait, c'est votre père et son avocat qui ont demandé à ce que vous soyez entendu comme témoin. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tout ça ? Comment il est comme papa ? Comme père. Il est très bien, il s'occupe de moi, il est très gentil avec moi et tout. Mais ben vous, votre vérité, c'est quoi ? C'est... Ben moi, ce que je sais, il n'a rien fait. Pour vous, votre vérité, c'est qu'il n'a rien fait ? Non, ce que je sais. Maître Gillier ? Ben, peut-être juste une question, parce que vous avez déjà posé certaines questions que j'avais en tête. Vous avez bien conscience que... comme ça a été dit tout à l'heure, c'est important de dire la vérité pour tout le monde. Hein. Donc, lorsqu'aujourd'hui, vous dites devant cette cour que pour vous, ce n'est pas possible que votre père ait commis les faits qu'on lui reproche, c'est bien la vérité. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez aussi conscience que les faits qu'on reproche à votre père sont très graves et qu'il risque la prison pour oui, cela ? Je sais, je sais. D'accord. Qu'est-ce qui se passerait pour vous ou dans votre tête ou, voilà, si votre père devait être condamné ? Je suis très mal. Oui. Je suis très très mal. Pourquoi ? Parce que j'aime bien, il s'est toujours occupé de moi et tout. Je serais très triste. D'accord. Vous n'avez pas envie de voir votre père en prison, c'est ça ? Non. D'accord. Est-ce qu'un avocat de la défense va s'adresser de la même façon au magistrat de la cour criminelle qu'à la cour d'assises ? Clairement non. Face à un jury populaire, il me semble que l'avocat de la défense aura plus facilement tendance à disséquer, à venir chercher ce qui, dans l'attitude de la partie civile ou dans sa personnalité, peut rééquilibrer un peu la balance par rapport à ce qu'on reproche à son client. Devant des magistrats professionnels, la défense aura peut-être tendance à dire moins d'horreur sur les victimes, parce que les magistrats professionnels ont l'habitude et savent que salir la victime, c'est vraiment très très peu efficace. Je vais vous demander de vous lever, monsieur. Venez à la barre, s'il vous plaît. Alors, vos réactions, vos déclarations sur ce qui vient de se dire. Je suis choqué, mais je n'ai jamais fait du mal à mon fils. Mes deux fils, c'est ce qui a le plus cher pour moi au monde. Je n'aurais jamais fait de mal à mon fils, ni l'un ni l'autre. Et au niveau rapport sexuel, j'ai quand même 54 ans. Mais quand je me suis mis avec madame, je n'avais jamais de problème pour avoir des relations avec des femmes ou avec des hommes. Donc pourquoi je m'en serais pris à mon fils ? En fait, il y a trois solutions. Hein. Soit il a dit ça parce que c'est vrai. Soit il a dit ça parce que sa mère, on va être clair, lui a demandé de raconter et elle a tout organisé depuis le début. Donc elle ment, la grand-mère ment et elles ont piloté l'enfant pour qu'il dise ça. Est-ce que c'est votre... C'est ce que j'ai pensé. La troisième solution étant que effectivement il y a des tas de choses qui se mélangent dans sa tête, qu'il ait vu des choses ou subi des choses par quelqu'un d'autre.
mais qu'il accuse papa. Donc laquelle de ces trois versions vous... Je ne peux pas le dire si c'est vrai, s'il l'a inventé ou si il l'a vu ou il s'est fait ça par quelqu'un d'autre. Après, est-ce que sa mère lui a... Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas accuser quelqu'un sans avoir de preuves, sans savoir. Est-ce qu'il y a des questions du côté de la cour ? Mesdames, monsieur l'avocat général. Pas de questions particulières en l'état. Maître Gillet. Pas de questions pour l'instant. Alors vous pouvez retourner vous asseoir, monsieur. Bon, en tout cas, on se retrouve demain pour la poursuite des débats. L'audience est suspendue, reprise demain 9h. La création de la cour criminelle répondait à une urgence majeure, désengorger les cours d'assises. En l'état actuel du système judiciaire, il faut attendre 3 ou 4 ans, parfois plus, avant d'être jugé. Ce dont on s'est rendu compte au fil des années, c'est que le système assises était complètement embouteillé. Ce que les gens attendent, qu'ils soient accusés ou partie civile, c'est d'avoir une réponse judiciaire. Et ne pas juger les gens parce qu'il y a un flux d'affaires trop important, ben c'est une sorte de déni de justice pour les gens et une source de souffrance incroyable. La cour criminelle réduit de 2 à 3 fois les délais pour être jugé par rapport à une cour d'assises. L'autre objectif majeur de la loi, c'est de cesser une pratique très courante jusque-là pour juger plus vite, la correctionnalisation. Alors depuis de nombreuses années, il y avait beaucoup d'abus sexuels qui étaient accompagnés d'actes de pénétration par violence, menace, contrainte ou surprise, donc légalement des viols, qui étaient ce qu'on appelle correctionnalisés. En fait, pour de mauvaises raisons, qui sont des raisons qui tiennent au temps judiciaire, on laissait tomber la circonstance de pénétration et on habillait ces faits d'une qualification délictuelle pour les faire passer, comme on dit, devant le tribunal correctionnel. Justement, la cour criminelle, les deux objectifs de sa création, juger plus vite et juger des viols qui jusqu'à présent étaient correctionnalisés à leur véritable qualification. Juger un viol pour ce qu'il est. Au fil du temps, dans les cabinets d'instruction qui décident où seront jugés les viols, une sorte d'échelle de gravité s'est mise en place pour décider lesquels méritent les assises ou peuvent se contenter d'un tribunal correctionnel. Alors les critères qui peuvent être retenus par les parties pour envisager une correctionnalisation sont très variables et à mon sens tous éminemment critiquables. Certains sont amenés à envisager différemment une pénétration digitale, une pénétration par objet ou une pénétration sexuelle. Certains sont amenés à considérer qu'un viol conjugal serait moins grave qu'un viol entre inconnus. Ça paraît complètement fou. Et pourtant, c'est ce qui est fait régulièrement. Il faut quand même savoir que, quand même, si la justice avait les moyens de fonctionner telle qu'elle a été pensée, et si elle avait les moyens d'audiencer dans des délais raisonnables des dossiers criminels, personne ne se poserait ces questions. L'une des conséquences directes de la création des cours criminelles, c'est qu'en restituant au viol sa véritable qualification de crime, elles permettent de voir arriver des affaires qui n'auraient jamais atterri aux assises. Récemment, en cour criminelle, un homme comparé pour agression sexuelle et viol sur sa femme. Ils ont 30 ans de vie commune, un couple où, au final, la communication ne passe plus, plus trop de relations intimes entre eux. Le monsieur est très frustré sexuellement. Il va, mais de façon très ponctuelle, passer à l'acte sur sa femme. Depuis quelques jours ou semaines, il embêtait, lui touchait les seins dans la cuisine. Quand elle passait, bon, il montrait sa frustration et elle l'envoyait promener. Puis un jour, il n'y tient plus et il va effectivement l'agresser, mais avec un acte sexuel très réduit qui est une pénétration de son doigt dans son sexe. Et ça arrive en cour criminelle. Ce serait pas, enfin, la cour criminelle n'aurait pas existé. Ça aurait été, comme on dit, correctionnalisé. Le doigt, on l'aurait un petit peu oublié, et puis ce serait passé en correctionnel sur des violences. Bon. Il a reconnu, il reconnaissait. Il a été déclaré coupable, et il a été condamné à 3 ans, dont, je crois, 2 avec sursis. Une peine, finalement, très mesurée. Mais en tout cas, on a passé, il y a eu une journée quand même, là où on aurait passé 1h30 en correctionnel. Mais ça valait le coup, c'était l'histoire d'un couple, en fait, ce qui s'était passé là. Au bout du compte, la peine, elle n'est pas très lourde.
Mais pour moi, ça, c'est bien. L'audience reprend à huis clos. Nous pouvons nous asseoir. Maître Lebray, vous avez la parole pour la partie civile. Oui, Madame la Présidente, Madame, Messieurs de la Cour, on entend parfois ce résumé des dossiers d'agression sexuelle ou de viol, c'est parole contre parole, on ne pourra jamais le démontrer. Le doute bénéficie à l'accusé. Sur sa description des actes, ce petit enfant très précis, parce que là, il l'a vécu dans sa chair. Et il explique bien les choses. À la fois, il les mime, et quand il en parle, il parle. Il dit clairement, hein, quéquette, fesse, enfin, on n'a aucun doute sur ce qui a pu se passer, que ça a pu faire mal. Ça, c'est très clair et très précis. Et surtout, il le dit à sa mère dès le début, il va le re-répéter, c'est qu'il, non seulement il a eu mal, mais dès que son père s'est arrêté, il a eu envie de faire caca. Il a envie d'aller aux toilettes. Et ça, alors, dans aucun film porno, on vous décrit ça. Je veux dire, après les scènes de sodomie, il part pas aux toilettes. Très clairement, madame... Enfin, on marcherait sur la tête, on inventait tout et n'importe quoi pour une défense. Mais alors, imaginez que sa maman lui aurait dit « Tu diras bien qu'une fois que la sodomie était terminée, t'as eu envie d'aller aux toilettes et qu'il y avait du caca sur le sexe de ton père. » Enfin, c'est tellement spontané, naturel et vrai... C'est tellement un vécu qu'un enfant ne peut pas avoir inventé, puis qui ne peut pas répéter comme ça tout au long d'une procédure. Cette sensation dans sa chair de la réalité de la pénétration par le sexe de son père, c'est indiscutable. Sur l'émotion, en fait, comme je ne feins pas mes plaidoiries et que je ne fais pas semblant d'y croire ou d'en rajouter ou pour toucher un jury, je n'ai pas l'impression de plaider très différemment, en réalité. Je pense qu'il n'y a que la sincérité qui fonctionne, outre le droit, hein, y a du droit à faire devant une cour d'assises ou une cour criminelle, mais lorsqu'on est sincère, ben, on est parfois ému, on est parfois en colère, et je pense que ça doit être la même chose devant des magistrats professionnels. J'ai l'impression que je plaide de la même façon. Est-ce que petit garçon peut être victime de fait par quelqu'un d'autre? Rien ne converge vers un tiers. Par contre, il y a plein de choses. Qui laisse à penser que c'est monsieur. Plein d'éléments. Tout d'abord, le premier élément, c'est sa personnalité en général et son goût prononcé pour le sexe. C'est pas un défaut, c'est juste une infraction quand ça se porte sur les enfants. Donc, je vous demande bien évidemment d'entrer en voie de condamnation et de redonner à ce petit enfant, on va pouvoir lui dire en sortant, voilà, on t'a cru. Enfin, ça a une vraie importance pour ce petit garçon. Et ça aura une importance pour qu'il puisse se reconstruire. Mais il y a quand même une partie de sa vie qui est liée à ce qu'il a vécu avec son père et qui est entachée par l'effet de viol dont il a été victime. Merci, Maître Lebray. Monsieur l'avocat général, vous avez la parole pour vos réquisitions dans l'intérêt de la société. Oui, Madame la Présidente, Madame et Messieurs les assesseurs, comme vous le savez, par expérience, beaucoup d'affaires d'agression sexuels ou de viols sur mineurs sont particulièrement difficiles à établir et il est souvent extrêmement long de trouver des éléments de preuve qui permettent d'asseoir les déclarations, les accusations d'un jeune enfant. C'est d'autant plus difficile que nous sommes dans une affaire comme souvent où vous avez la parole de l'enfant, et vous avez les dénégations de la personne mise en cause. Devant des professionnels, je n'ai pas les mêmes réquisitions. Alors, le fond, si, c'est identique, le fond, mais je n'ai pas les mêmes réquisitions que devant un jury populaire, hein, où je fais de la pédagogie, où je fais de la répétition, pour essayer de bien faire entrer les arguments majeurs que je veux développer. Et donc, ça... Je ne le fais pas devant des professionnels. Je ne suis pas aussi radical que le penseraient les parties civiles. J'ai le souci, comme vous, devant des faits de cette nature, de ne rien laisser passer. Ce sont des faits graves,
ce sont des faits pris de par leur qualification inacceptables. Ce sont des faits qui nécessitent que l'on soit très attentif à la réponse pénale que l'on peut apporter. Alors, je ne vous le cacherai pas, c'est exceptionnel. Il m'arrive rarement de m'en remettre à la sagesse de la Cour, que ce soit la Cour criminelle ou la Cour d'assises. Ça m'arrive très exceptionnellement. C'est à vous de trancher aujourd'hui. Je sais que vous en tirerez les conséquences que vous estimerez répondre à votre intime conviction. Merci, monsieur l'avocat général. L'intime conviction, cette responsabilité qui pèse sur les jurés d'assises en leur âme et conscience. En cour criminelle, le jury populaire laisse la place à 5 juges professionnels, posant ainsi la question quasiment philosophique de la participation des citoyens à la justice. Les cours d'assises avec jury populaire, personne tirée au sort sur les listes électorales, hein, c'est un acquis de la Révolution française, comme beaucoup d'acquis fondamentaux de notre démocratie. Je trouve qu'aujourd'hui, les faire quitter l'enceinte judiciaire, c'est éloigner encore le peuple de la justice. Tous les jurés qui peuvent être entendus après avoir participé à des assises vont dire que c'est une grande expérience, dure. On n'est pas prêt à ça, à rencontrer toute la lourdeur de ces situations criminelles, mais c'est une véritable expérience qui les a confortés dans l'idée qu'on ne fait pas n'importe quoi et qu'on ne juge pas à la va-vite. Donc je trouve que supprimer le jury populaire, c'est faire un pas dans l'éloignement du juge et du justiciable. On a un attachement quand même assez fort au principe du jury populaire. De manière générale, ça va au-delà de cette question. On a compris évidemment quelles étaient les motivations, en tout cas les raisons plus ou moins avouées de ce changement en termes d'économie. Évidemment, le coût d'une cour criminelle en comparaison de celui d'une cour d'assises n'est pas le même. Je considère pour ma part que la justice doit prendre son temps, spécialement sur des affaires de cette nature. Vous devrez vous rappeler que dans ce dossier, il n'y a pas d'éléments matériels. Il n'y a pas d'éléments matériels, je le rappelais, le rapport d'expertise médico-légale ne permet d'aboutir à aucune conclusion. On peut penser ce qu'on veut de monsieur, que c'est un sale type, qu'on n'a pas envie de passer une soirée avec lui, qu'on préfère l'avoir loin de soi. Ça n'en fait certainement pas pour autant un coupable devant votre cour des faits qui lui sont aujourd'hui reprochés. C'est pourquoi, au terme de ces débats, qui finalement n'ont rien apporté d'inédit, n'ont rien apporté de nouveau, raison pour laquelle, bien évidemment, c'est l'acquittement que je sollicite avec confiance, vous l'acquitterez et ce sera justice. Merci, maître Gillier. La présence d'hommes et de femmes jurés dans une cour répondait à la volonté, effectivement, de mettre en acte le fait que la justice est rendue au nom du peuple. Mais on observe quand même qu'il s'agit uniquement de justice pénale. On ne demande pas à des jurés d'aller prononcer des divorces ou des condamnations dans des affaires de construction, etc. C'est pourtant la justice aussi, et c'est la justice qui est encore plus quotidienne. Et c'est quand il s'agit de dire ce qui est bien et mal, qui est autorisé ou pas, ce qui mérite de la prison, c'est là qu'on a encore besoin des jurés. Et c'est ça qui peut, à mon avis, être réinterrogé. Est-ce que on fait appel à eux pour, effectivement, faire connaître la justice, ou est-ce qu'on fait appel à eux parce qu'on a besoin d'eux pour rendre une bonne justice? Monsieur, levez-vous, je vous prie. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à votre défense? Je redis ce que j'ai dit depuis 5 ans. Je suis triste, ce que mon fils dit sur moi, mais je n'ai rien fait. Je lui ai jamais fait de mal. Je l'aime, c'est mon fils, hein, malgré tout ce que j'ai entendu. Ça restera mon fils, hein, même si je ne le vois plus jamais, c'est mon fils, je l'aime, mais je n'ai jamais violé mon fils, je n'ai jamais touché. Vous pouvez retourner vous asseoir, monsieur. Les débats sont clos. Nous allons nous rendre maintenant dans la chambre du conseil pour délibérer. Nous ne pourrons sortir qu'après avoir pris notre décision. Monsieur, vous êtes libre, mais néanmoins, en application de l'article 354 du Code de procédure pénale, je vais demander à ce que vous soyez gardé donc pendant la durée du délibéré par le service d'ordre. L'audience est suspendue. Une journée d'audience en cour criminelle coûte moitié moins cher qu'en cour d'assises.
Cette économie est en grande partie due à l'absence des jurés. Pas de tirage au sort, des débats moins longs, moins de frais et des délibérations beaucoup plus courtes entre professionnels. Être président d'assises avec les jurés, c'est être dans l'humain, avec ce que ça peut avoir de grand, quelquefois très agaçant aussi, de complexe. Il va encore falloir expliquer ce que c'est qu'un viol. C'est fatigant, hein. C'est fatigant. C'est évidemment plus simple de délibérer et de travailler avec quatre collègues dans le cadre de la cour criminelle. Alors, c'est plus facile de délibérer avec des juges qu'avec des jurés sur un plan technique. Et d'ailleurs, les délibérés de cour criminelle durent moins longtemps. En moyenne, ils durent 2 heures contre 4-5 heures aux assises. Mais cela dit, la discussion, notamment juridique ou sur les questions de culpabilité et aussi sur la peine, ne sont pas nécessairement lisses et on n'est pas toujours d'accord, et heureusement. L'audience reprend, nous pouvons nous asseoir. Voici les réponses aux questions posées et l'arrêt délibéré en commun. Monsieur est-il coupable d'avoir, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de son fils ? La réponse de la Cour est oui. En conséquence, la Cour criminelle le condamne à la majorité à la peine de 7 années d'emprisonnement. Lui fait interdiction d'exercer une activité le mettant en contact avec des mineurs pendant 10 ans. Constate son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles, prononce en outre le retrait total de son autorité parentale relativement à son enfant. Monsieur, cet arrêt de condamnation est susceptible de recours d'un appel dans le délai de 10 jours. Je ne sais pas quels sont les arguments qui ont été majeurs pour la décision de culpabilité. Moi, j'avais des incertitudes, j'avais un doute. Donc, je l'ai fait connaître. Après, les magistrats professionnels qui ont jugé, ils en ont discuté. Hein. La conviction de la Cour s'appuie sur les éléments suivants. Il est établi que l'enfant a pu décrire, par des mots et des gestes, l'acte que son père lui avait fait subir, à savoir une sodomie, la réalité de cet acte ne faisant pas de doute au regard de la précision donnée par l'enfant en ces termes, « Normalement, ça sentait mauvais car j'avais envie d'aller aux toilettes. » Le fait que ces circonstances soient incompatibles avec l'idée d'une machination ourdie par la mère et ou la grand-mère, compte tenu du détail particulièrement scabreux ci-dessus, et d'autre part, de l'authenticité des témoignages des deux femmes. Le fait que l'expertise psychologique ait exclu l'hypothèse d'une affabulation de l'enfant. Enfin, la personnalité de monsieur, à savoir celle d'un homme manipulateur, pouvant être violent, présentant une particulière appétence pour le sexe, y compris à connotation perverse. Bah, je me suis dit, en entendant cette motivation, typiquement, sur ce dossier-là, on n'avait pas un raisonnement qui serait exclusivement juridique. C'est-à-dire que la Cour s'est appuyée sur des impressions, c'est forger une conviction à partir d'éléments humains, mais pas d'éléments factuels, pas d'éléments qui seraient de nature purement juridique. Donc c'était une surprise. J'ai tendance à penser que, en tout cas en ce qui me concerne, la cour criminelle laisse moins de place à l'acquittement que ne peut le faire une cour d'assises. Est-ce qu'une cour criminelle, elle est plus ou moins sévère qu'une cour d'assises ? C'est la question qui peut se poser. Il me semble que la tendance serait peut-être plutôt à une moins grande sévérité, en fait, de la cour criminelle. Plus de reconnaissance de culpabilité, peut-être moins d'acquittement en cour criminelle, mais avec des peines qui sont peut-être, pour certaines, plus faibles. Pour l'instant, sur les 15 départements test, le taux d'acquittement est de 5% des verdicts, comme en cour d'assises. Alors, ça ne va pas être très long, monsieur, c'est juste ce qu'on appelle une notice individuelle. C'est pour me permettre de donner à la maison d'arrêt des informations vous concernant, des informations importantes.
Alors, on me demande, la personne devant vous tient-elle des propos suicidaires? Là, est-ce que, quand vous pensez à ce qui vient de se passer, à la décision qui a été prise, est-ce que effectivement vous avez des idées noires? Vous vous dites, je vais me ficher en l'air en arrivant à la maison d'arrêt. Est-ce que vous avez ce genre d'idées ou est-ce que vous allez supporter le choc et faire ce qu'il faut pour... Attendez, hein, la décision pouvait être d'un côté que de l'autre. Non, on va faire appel. Donc non, il n'y a pas de souci, je vais pas me suicider, je vais me battre. Quand un condamné par une cour criminelle fait appel, il passe 1 à 2 ans plus tard devant une cour d'assises d'appel classique composée d'un jury populaire. Passer en appel d'une cour criminelle à une cour d'assises d'appel avec 9 jurés en plus, c'est inédit pour moi. C'est mon premier appel en cour criminelle. Je ne suis pas si inquiète que cela, en ce sens que on n'est pas sur des faits où la victime est une mauvaise victime. C'est un petit garçon fragile qui a aujourd'hui 10 années. C'est un tout jeune adolescent, mais qui, au moment des faits, avait 7-8 ans. On ne peut pas dire qu'il l'a cherché, enfin, soyons clairs. Donc, on ne va pas remettre en cause ça. La question dans ce dossier, c'est est-ce que ça s'est passé ou pas? Si ça s'est passé, il n'était pas consentant. Si ça ne s'est pas passé, on ira vers un acquittement. Je pense qu'on ne se présente pas devant une cour d'assises ou une cour criminelle en misant ou en faisant des paris sur la confiance qu'on peut mettre dans une juridiction. C'est un autre débat ou un nouveau débat qui va se tenir, certainement différent, nécessairement même différent du premier. Il y a des choses qui changeront dans la stratégie de la défense, de toute évidence. Il peut toujours y avoir des éléments nouveaux. Au terme de l'expérimentation, les acteurs les plus réfractaires à la réforme, tout comme les observateurs extérieurs de ces cours criminelles, en tirent un bilan globalement positif. De ce que nous avons observé à la fois en cours criminelle et devant les cours d'assises, la construction de la vérité est du même niveau d'exigence dans les deux cas. On a eu vraiment le sentiment que tous les éléments étaient débattus à la fois devant les cours criminelles et devant les cours d'assises. Les avocats qui étaient contre la réforme, hein, clairement, finalement, dans tout ce que nous avons pu observer dans les différentes cours, ils ont été un élément clé pour le bon fonctionnement de cette réforme. Et ils sont quand même plutôt favorables aujourd'hui, parce qu'ils ont été surpris, sans doute comme nous, de la bonne qualité de ce débat devant les cours criminelles. Cette réforme de la justice pourrait aboutir à plus long terme à un système où les décisions de première instance seraient rendues par la cour criminelle pour tous les crimes et où le dernier mot reviendrait au jury populaire en cour d'assises d'appel. Si la cour criminelle était compétente pour l'ensemble des crimes, la règle serait, me semble-t-il, plus simple. Sinon, la cour criminelle va devenir la cour spécialisée en matière de viol. Et est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est une bonne chose? Ça me semble vraiment la question. Et effectivement, se dire, bon, quels que soient les faits reprochés, la première décision vient de magistrats professionnels ou apparentés, et le dernier mot reviendra à des magistrats, mais cette fois accompagné du jury populaire, si effectivement on continue à penser que le jury populaire est le gage forcément d'une bonne justice.